Bonsoir mesdames et messieurs, est-ce que la soirée se passe bien pour vous jusque-là? Est-ce que vous avez vu des choses un peu intéressantes? Très très intéressantes? Moyennement intéressantes? Non, tout était très intéressant, parfait. Alors nous allons continuer cette soirée en vous parlant d'une rencontre entre un mathématicien et un chorégraphe. Je vous demande de les applaudir tous les deux très fort et vont me rejoindre tout de suite sur scène. Merci d'être avec nous. Alors le mathématicien, c'est vous, Benoît Grébert. Vous êtes professeur des universités au laboratoire de mathématiques Jean Leray à Nantes Université. Ouais. C'est bien ça. Et vous êtes aussi directeur de la Maison des mathématiques de l'Ouest. L'AMMO pour le... L'AMMO, ouais. C'est son petit nom ça. Mmh. L'AMMO. Il y en a qui connaissent la Maison des mathématiques de l'Ouest? Oui, il y en a au moins un, voilà, un copain qui est... Surtout les mathématiciens, les je pense, là, qui sont là devant. Surtout les mathématiciens. Alors, le laboratoire de recherche, on voit bien ce que c'est, la Maison des mathématiques de l'Ouest, vous pouvez nous en dire un mot En fait, c'est une institution, on va dire, qui réunit différents laboratoires de l'Ouest, d'où le nom, et qui s'occupe de la diffusion des mathématiques, en fait, qui essaye de recenser toutes les activités de diffusion. Et on travaille beaucoup dans la direction art-sciences, donc c'est un peu pour ça, là, par exemple, qu'on essaye d'interagir avec la danse, mais on l'a déjà fait avec le théâtre, avec la musique, très récemment, on avait une... N'en dites pas trop, c'est mes dernières questions, les collaborations que vous avez fait avant, mais donc c'est un organisme culturel à but de diffusion des mathématiques, et le chorégraphe, c'est vous, Antoine Herbeit. On va d'abord plonger peut-être dans la dimension mathématique. Votre travail, votre sujet de recherche, quand vous n'êtes pas en train de collaborer avec des artistes, ça parle de quoi ? Oui, au début, ça n'a pas grand-chose à voir avec la danse. Ça parle d'équations aux dérivées partielles. Et je ne vais certainement pas essayer d'expliquer ce que c'est. Mais le point de vue est plus système dynamique. Dynamique, ça veut juste dire que ça bouge. Donc déjà, on commence un petit peu à penser éventuellement au mouvement, donc pourquoi pas la danse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre les mouvements dans le temps, c'est-à-dire au bout d'un temps très long, ce qui se passe. Et donc souvent, ce n'est pas si évident parce qu'il y a des périodes transitoires et au bout d'un moment, il se passe des choses qu'on n'attend pas forcément. Et alors, en particulier, je regarde souvent des phénomènes où il y a des superpositions de mouvements périodiques, donc plusieurs mouvements périodiques en même temps. Là, à nouveau, on verra tout à l'heure la contrepartie sur la danse. Mais donc, plus on superpose des choses, des mouvements périodiques, plus on obtient quelque chose de compliqué. Et ça devient tellement compliqué qu'on peut y voir une forme de chaos. Alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus proche du chaos que des choses très construites. Oui, alors périodique, on peut penser à un pendule. On est d'accord que vous êtes en train de parler d'objets purement mathématiques. Donc... Purement mathématiques ou pas, le ressort, c'est pas, ça existe et ça fait effectivement des oscillations. Et c'était dans un des transparents, il y a ça. Alors je ne sais pas si je dois le lancer. Alors normalement, quand vous appuyez sur le bouton vert, faites voir ce qui se passe. Voilà. Ah, c'est pas celui-là. Voilà, mais ouais, voilà, c'est celui-là. Non, mais alors, je vais pas du tout commenter le... Ah oui. Non, mais c'est parce que je voulais montrer. En fait, là, vous avez des ressorts, une chaîne de ressorts. Et donc, c'est quand même un modèle qui est connu, hein, qui est le modèle de Fermi-Pasta ou Lam-Tsingao. La petite histoire, c'est que Tsingao est une femme, c'est la seule femme des quatre, et pendant très longtemps, elle n'apparaissait pas dans le modèle. Mais c'est une petite remarque sur la parité. Donc les équations qui sont derrière, peu importe, c'est ces équations qui viennent de la physique. Ce que je vais expliquer simplement avec ça, c'est que tous ces ressorts, effectivement, ils oscillent. Donc ils ont des mouvements périodiques. Là, ils sont reliés entre eux, donc en fait, ça devient très compliqué parce qu'ils interagissent entre eux.
Et puis, comme c'est une chaîne d'atomes, en fait, il faut imaginer qu'il y en a une infinité. C'est pas, il y en a pas un nombre déterminé. Il faut partir sur l'idée de l'infini. Et ben, à partir de là, les expériences montrent des choses. En fait, on n'a toujours pas compris ce système-là. Et ben, mathématiquement, c'est rien d'autre que des superpositions de mouvements périodiques et d'essayer de comprendre comment ça évolue. Voilà, donc c'est une petite vision du chaos déterministe. Ah, mais donc pour le redire quand même, là vous parliez d'un enchaînement de ressorts. Les scientifiques qui étaient en train de travailler sur ce modèle-là mathématiquement avaient décrit ce qu'était un ressort, mais ils l'appliquaient au mouvement des atomes. Donc ce n'était pas un ressort réel. Enfin, exact, voilà. Exact. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver un modèle qui ressemble, qui est peut-être plus facile à étudier que l'atome dans toute sa complexité. Donc on ne reprend qu'une partie de la complexité de l'atome en disant c'est un ressort. Et après, là, c'est vraiment dans le domaine des mathématiques, du coup, dans un enchaînement de ressorts à l'infini, comme ça, et de réussir à prédire ce qui se passe voilà. Au bout de très longtemps. Voilà. Et c'est des mouvements quasi périodiques, c'est le dernier mot de quasiment de ce transparent, mais qui est quelque chose de très proche, finalement, de quand on le voit, de quelque chose de chaotique. J'ai été fasciné en voyant les chorégraphies d'Antoine de voir cette quasi-périodicité et des choses qui y ressemblent beaucoup. Alors la quasi-périodicité ou le chaos déterministe, je trouve que ça, le chaos déterministe, c'est quand même une très très belle oxymore, ça sonne très bien. Alors Antoine Arbeid, vous êtes chorégraphe, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, vous, de votre travail et voilà, pourquoi vous allez aujourd'hui vers les mathématiques, mais d'abord votre travail de chorégraphe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ouais, je suis chorégraphe de la compagnie Ex Novo depuis 2018. Je suis aussi danseur-interprète pour d'autres chorégraphes, ça c'est important pour mon parcours. Et puis j'ai été aussi formé à l'analyse du mouvement, analyse et écriture du mouvement, école Labanne. Je vous laisserai googler pour voir ce que ça veut dire. C'est dans le domaine artistique. C'est dans le domaine artistique, l'analyse du mouvement, elle a quand même un rapport très, comment dire, très scientifique quand même, en reprenant beaucoup de choses, notamment du domaine de l'anatomie et de la compréhension du corps dans l'espace. Enfin, je vais en parler un petit peu plus. Et très rapidement, dans les travaux de la compagnie, ce qui m'a intéressé, c'est globalement l'écriture de la danse. Donc l'écriture de la danse, c'est la compréhension des caractéristiques fondamentales du mouvement, c'est le temps, l'espace, la relation. Et au-delà de leur compréhension, c'est tenter de les organiser et de proposer des écritures. Alors ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que nous, on a fait trois créations, trois spectacles, et chaque création amène une compréhension différente de ces caractéristiques. Donc les systèmes d'écriture qu'on peut développer vont être différents à chaque fois. Parce qu'on est d'accord que quand on est chorégraphe, on peut écrire une chorégraphie et la transmettre comme une partition musique. En fait, un peu. Les grandes chorégraphies peuvent être transmises comme ça par écrit. Oui. Alors, dans un système de notation vraiment spécifique comme Laban ou Benach, enfin il y en a plusieurs, ça prend beaucoup de temps. Laban, L-A-B-A-N, c'est ouais. Un système de notation du mouvement qui est né dans les années 20, du chorégraphe et chercheur du même nom, Rudolf Laban. Et puis il y a d'autres systèmes de notation. Alors ça, c'est des systèmes de notation qui mettent beaucoup, beaucoup de temps, donc on ne l'utilise pas en création. Mais par contre, on peut en prendre des outils et les utiliser au fur et à mesure de la création, des résidences, des répétitions. Mais moi, quand je parle d'écriture de la danse, je parle surtout, enfin, j'envisage surtout tenter de saisir l'organisation et d'essayer d'organiser en effet donc chaque élément, donc l'espace, le temps, le poids, le flux, etc. Enfin, et donc c'est des tentatives et c'est des jeux en fait qu'on met en place avec les danseurs. Plus spécifiquement, la création système, qui est la création 2021 de la compagnie, qui a été jouée au TU en mars dernier, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Benoît. Et bien, dans cette création, on organise d'abord l'espace, par un système de cycles répétitifs. Et puis dans ces cycles répétitifs, donc, ils vont se répéter sur 20 minutes à peu près, on va accumuler de la matière gestuelle, des petites cellules de mouvement,
de 4, 8 ou 12 temps. Et puis, au fur et à mesure du temps, eh ben, on va avoir une danse qui s'élabore et qui se complexifie au fur et à mesure. Ça m'a fait penser à ça dont tu parlais, quand on superpose les choses. Alors, ce qui est intéressant aussi, peut-être qu'on pourrait voir un exemple, c'est que l'écriture n'est pas une manière de consigner a posteriori la chorégraphie que vous avez imaginée sur le plateau, c'est une manière de l'écrire. D'abord, vous l'écrivez comme ça, et ensuite, après, vous la jouez sur le... Oui, c'est ça. Alors là, donc, dans cet exemple, je vais mettre play. Normalement, ça va marcher. Dans cet exemple, donc, on va avoir défiler 4 cycles. Donc, un tableau, c'est un cycle d'à peu près 2 minutes 30. Sur la colonne grise, on a nos rendez-vous. Et puis, on voit le tableau qui s'élabore au fur et à mesure, qui se remplit. Et chaque petit numéro, en fait, ça correspond à un mouvement. Donc là, c'est de la danse qui est écrite. Là, c'est de la danse. Parce qu'en fait, les numéros, on a 16 modules de danse. Le premier, je sais pas, le deuxième. Bon, là, je dis n'importe quoi. Enfin, je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Quand il n'y a pas de numéro, c'est juste un déplacement, juste des marches. Et puis, quand il y a un numéro, ça nous réfère à un petit module de danse, en fait. Puis après, on va faire un système accumulatif qui fait que, petit à petit, l'écriture se complexifie. On voit deux choses, en fait, apparaître. Des numéros donc, qui renvoient au module, et puis des traits, donc soit des relations entre les personnes, donc ils sont quatre, soit des reprises, etc. Donc, pour essayer d'organiser, parce que, comme je disais, une tentative d'organisation de l'espace, du temps, des modules chorégraphiques. Voilà. Et donc c'est un jeu entre nous. Ah, c'est écran noir. Ah non, ça c'est après ça. Spoiler alerte, stop. On vous la gardez pour la fin, pour que c'est une technique journalistique. Vous savez, il y a le titre de l'article, et ce dont parle le titre, c'est juste à la fin. Voilà, on a fait pareil. Ah, parce qu'à chaque fois, il y a... Et donc on voit bien que ça se complexifie, en tout cas, dans le... Ouais, c'est bon, j'ai compris. Alors, non. Ah, voilà, c'est bon. Donc voilà, ouais, au fur et à mesure, ça se complexifie. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a, en effet, chaque interprète, donc là, ils sont quatre, il y a quatre colonnes, chaque interprète, voilà, une colonne, chaque ligne, c'est quatre temps. Et puis, en effet, c'est un outil qu'on utilise en création. C'est-à-dire que moi, je vais fantasmer une organisation. J'arrive avec une proposition pour les danseurs et les danseuses et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Alors après, c'est le prisme de possible, pas possible de réaliser ça. Et puis, on réajuste au fur et à mesure. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi dans cette expérience, c'est que tout ce qui se passe au-dessus des épaules, c'est libre. Donc le regard, il est libre, la tête, elle est libre. Et donc, en fait, on était incapable de faire ça. Alors je dis « on » parce que j'ai testé aussi. On était incapable de réaliser cette partition, de s'en souvenir, de la réaliser. On se perdait complètement. Donc ce qui a été intéressant, c'est qu'à partir du moment où on s'est regardé, on a trouvé des repères entre nous. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait en binôme, même si on est de l'autre côté du centre, etc. Enfin, on verra la vidéo après, mais... Ça a été extrêmement important de comprendre en fait que ce système amenait une organisation bien précise. Alors c'est autour de cette création que vous vous êtes rencontrés, donc au Théâtre universitaire de Nantes. Oui. Et comment, dans quel cadre vous avez commencé une collaboration ou une réflexion? Et là donc elle est en cours, hein, elle est en train de se passer. On est en train de vous montrer de l'art science en train de se faire. En train de se faire, oui. Ben en fait oui. Comme je disais déjà tout à l'heure, moi j'étais assez fasciné par ces représentations dansées de quelque chose que je vois mathématiquement d'une certaine façon. Et donc j'ai proposé à Antoine de commencer à travailler ensemble. Et l'idée, donc, ça a été d'utiliser ce qu'on appelle à Nantes les unités d'enseignement découverte, UED, toujours l'acronyme, et qui permettent en fait de faire des sciences autrement, on va dire, c'est en fac des sciences. Et en particulier, on essaye de développer chaque année un module comme ça, art sciences. Donc là, cette année, ça sera, c'est commencé déjà, maths et danse. Et on a c'est avec des étudiants. Ouais, on a une vingtaine d'étudiants qui sont en deuxième année et qui viennent de différents horizons, c'est-à-dire informaticiens, biologistes, physiciens. Et qui viennent avec nous bouger plus que danser, en tout cas pour l'instant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de prérequis de niveau de danse, mais on essaye de. On va essayer de construire quelque chose. Et
En fait, c'est de leur proposer. Le but, c'est vraiment de leur proposer des expériences de mise en mouvement. Moi, ce qui m'intéresse dans les travaux qu'on peut mener, il y a deux petites choses. C'est la mise en mouvement perpétuelle, c'est-à-dire où chaque mouvement naît et est généré par ce qui précède, en fait. Donc, pour avoir une progression de A à B, on va dire pas linéaire, mais oui, justement une progression, donc sans rupture. Et puis aussi d'aller décrypter les interactions entre les personnes dans un groupe en mouvement, en fait. Donc en effet, on a fait beaucoup juste entre guillemets de déplacements, mais dans le déplacement il y a déjà énormément de choses qui se passent. Est-ce que vous avez senti donc vous avez fait une séance pour l'instant avec les étudiants? Oui. De trois heures et demie. Oui. Et est-ce que vous avez eu l'impression que leur imaginaire scientifique, leur imaginaire mathématiques, ils avaient envie justement de mettre les mains dans le tableau et tout ça, vous leur avez montré ça ou est-ce qu'ils avaient envie au contraire de s'investir dans la danse, dans le mouvement, ou peut-être d'avoir des choses à dire sur les sciences, sur la nature? Voilà, le chaos déterministe, c'est quand même une proposition poétique très belle. Vous sentez que c'est quelle corde un peu qui a vibré chez eux ou chez vous d'ailleurs? Je dirais que la première chose, ils ont été quand même un peu surpris. Je crois qu'ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre, donc c'était un peu surpris, et je crois agréablement surpris. Et je pense qu'il y avait un côté aussi, le fait de pouvoir essayer de voir des sciences derrière ce qu'on essaye de faire ensemble, leur a pas paru si déplacé que ça, d'une certaine manière. Donc c'est pas mal. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui paraît très obscur ou étrange au départ, mais dès qu'on met les pieds, c'est le cas de le dire, en studio avec nous et qu'on se met à bouger, en fait, ça devient très concret. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin voilà, on a pu soulever dès la première séance les appréhensions. Je pense qu'on est vraiment arrivé à traverser beaucoup de mises en pratique là, en ces trois premières heures. La prochaine... le prochain rendez-vous, c'est demain. On verra bien comment ça se passe. Est-ce qu'il y aura un spectacle peut-être à la fin ou une production? Alors montrer ou pas montrer, mais en tout cas, il y a le but de le faire entre eux. Alors, on n'a pas trop parlé encore, mais on leur a dit quand même. La nuit blanche des chercheurs de l'année prochaine, on aimerait bien les avoir. Non, mais en tout cas, le 22 mars, ouais, il y aura une restitution. On ne va pas parler de spectacle parce que ce n'est vraiment pas l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt de partager avec un public toutes les expériences qu'on a pu faire autour de cette chose-là. Oui, ce sera dans le cadre du Festival Idéal du TU. Vous connaissez peut-être. Ouais. Donc c'est 8 séances, hein, vous m'avez dit. Ah non, 4. 4 séances. Ah, ça va vite. Hein. C'est pas facile, 4 séances pour faire quelque chose, pour monter. Non, c'est clair. C'est alors, vous parliez de collaboration entre artistes et scientifiques. Le spectacle que vous avez fait, celui-ci, est-ce qu'il était déjà en collaboration avec des chercheurs ou c'est la première fois que vous rencontrez le monde de la science? Alors en fait, moi j'ai été artiste associé, donc la compagnie elle est à Dijon, et j'ai été artiste associé pendant 2 ans à l'Athénum, qui est le centre culturel de l'université de Bourgogne. Donc en 2021 et en 2022, on a créé avec des chercheurs, alors plus de la physique, une unité d'enseignement transversale, c'est presque pareil, et donc des rencontres aussi avec des étudiants, une vingtaine d'étudiants à chaque fois. Mais ça, surtout, moi je trouve que ça a permis de nourrir aussi la création en train d'être faite, et même la création qui a suivi aussi, par ces échanges réguliers qu'on a eus avec les chercheurs. En fait. Ça a été vraiment intéressant, oui. Peut-être qu'on peut voir, est-ce que vous voulez voir peut-être un extrait du précédent spectacle pour voir ce que donne cette écriture sur le plateau? Là, c'est le moment où vous devez crier oui. Oui, oui, nous le désirons ardemment. Alors, attention. Il faut que je remette play peut-être. Je sais pas si ça charge ou alors il faut que je remette play. Je tente. Alors, quand on ne voulait pas la lancer, elle s'est lancée. Mais maintenant que nous la désirons ardemment... Non mais peut-être qu'il faut que ça charge, non? Tu penses pas? Ah c'est bon. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu entre temps, parce que de toute façon il n'y a pas de musique. Donc là c'est les 4 interprètes. Ils sont en train de réaliser... Et là ils sont encore en improvisation, donc on a une sensation de chaos, ils sont en train de déambuler dans l'espace, mais petit à petit en fait ils vont venir s'organiser
Et on, je vous ai choisi l'extrait vraiment, donc le moment où ils vont voilà, commencer à s'organiser et partir sur le premier cycle de déplacement. Donc c'est un spectacle qui s'inspire des mouvements des planètes autour du Soleil, donc on partage tous le même centre et chaque interprète a un cercle dont il ne sort jamais. Enfin, y a des petites spirales de temps en temps, mais le jeu, en fait, ça va être de réaliser des alignements, des séparations, des retrouvailles, en fait, pendant 2 minutes et demie, et de se retrouver au même endroit pour réaliser plusieurs fois le même cycle de déplacement. Mais pour l'instant, donc, vous voyez qu'ils sont juste en train de marcher, mais au fur et à mesure, donc, comme je le disais, la danse, elle va apparaître, elle va s'accumuler, et ça va complexifier de plus en plus l'écriture. Donc ça, c'est des images, évidemment, de transition pour faire durer le suspense, mais voilà, là par contre ce qu'on peut voir c'est qu'on a 8 rendez-vous qui ont été décidés et dessinés d'abord là c'est tes images chorégraphiques là c'est oui ça c'est des outils qu'on a voilà oui enfin c'est mon interprétation et donc du coup on voit donc les 4 interprètes des cercles qui dessinent leur déplacement enfin leur zone de déplacement et au bout de 20 minutes et ben on arrive à une danse on va dire pas complète, mais ils réalisent toujours les mêmes rendez-vous, mais par contre, ça se complexifie de plus en plus. Et en plus de ça, ça va de plus en plus vite, puisqu'on a un métronome en fait, qui nous permet de marcher toujours au même rythme, mais ce métronome il commence à 106 battements par minute, puis il finit à 130, ce qui nous fait après déboucher par une course. En fait. Mais ça a un système vraiment... Enfin voilà, c'est une accumulation pendant 20 minutes. Et donc vous, quand vous l'avez vu, vous avez vu des systèmes semi-périodiques. On le voit, non? C'est évident. On est sur du semi. Il y a plein de mouvements périodiques qui se superposent. Là. J'ai confondu avec des atomes, je dois dire. Ouais. Alors que c'était des planètes, d'ailleurs. Oui, mais les planètes, c'est pareil. Hein. C'est un système dynamique où, effectivement, il y a la superposition de mouvements périodiques et des interactions. Et c'est exactement la même chose. Hein. Toujours la même chose. Presque partout, on retrouve. À toutes les échelles, c'est la même chose. Je vois que mon chrono est rouge parce que c'est le moment pour moi de vous demander si vous avez des questions. Alors peut-être des questions de mathématiques, des questions plus de danse, peut-être des questions voilà, plus sur les rencontres entre art et science, voilà, dans le domaine culturel ou dans le domaine de la recherche à l'université. Voilà, j'essaie de vous inspirer parce que je ne vois pas de bras levés, mais je vais... Alors, il y a un micro qui arrive juste maintenant vers vous en dansant. Bonjour. 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 Donc, du coup, je suis curieuse de savoir quels ont été les autres partenariats artistiques qui ont été menés, autres que la danse, qui ont été très vite évoqués au début. Allons-y, il y a eu de la musique pas mal de fois. Il y a pas mal de matheux musiciens, il y en a au premier rang. Là, mais... Et donc, par exemple, il y a 15 jours, on avait une musicienne et musicologue taïwanaise qui nous a rejoint pendant une semaine et qui nous a montré un certain nombre de choses. Enfin, il y a eu quelques interactions. On a travaillé avec des comédiens pendant pas mal de temps. Ils étaient venus pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait les maths. Et le résultat, ça a été un livre qui s'appelle L'imprécis de vocabulaire mathématique, où ils essayaient de jouer en fait avec les. Enfin, ils trouvaient que nous, on jouait avec le vocabulaire standard et on le rendait mathématique, mais en fait, on donnait un sens un peu particulier aux mots. Et donc, il y avait ce jeu d'essayer de comprendre comment ça se passe. Puis après, il y a eu aussi des choses avec des arts numériques, avec Maotic, je crois. Il y a eu pas mal de choses différentes, très différentes. Deux autres questions ici. Est-ce que vous envisagez sur la scénographie, donc je repasse sur la danse, de faire un lien évident avec les maths ou pas, avec des projections ou des trucs comme ça? Ou est-ce que ça reste juste dans la conception du spectacle et ça se verra pas en scénographie?
Ah, c'est une très bonne question parce que j'ai pas prévu de petite vidéo, mais le spectacle qui a suivi, qui s'appelle Variability, qui a aussi été proposé au TU dans la même soirée en fait que Système, il s'inspire des suites, de suites mathématiques en fait, de trois suites mathématiques, et on est accompagné en scénographie d'objets qui ressemblent un peu à des grands origamis. Tous basés sur la forme du triangle et qu'on manipule tout du long du spectacle. Donc là, il y a vraiment, enfin, je pense, une relation encore plus visuelle à, en effet aux mathématiques. Et puis en fait, cette attention à la géométrie, elle construit vraiment les 45 minutes de spectacle dans, dans cette pièce-là. Voilà. Ouais, oui. Parce que c'est vrai que c'est marrant parce que les mathématiques, on dit souvent quand il y a des X, des Y, ça peut commencer à stresser les gens, mais on dit, mais ça peut être des pommes, ça peut être des carottes, ça peut être des... Mais ça peut être des mouvements. Et c'est tout autant des objets mathématiques qui peuvent avoir des propriétés mathématiques en étant du mouvement et en étant... Oui, c'est finalement le transparent avec la composition d'Antoine, je pense qu'on n'y comprend pas grand-chose non plus, pas beaucoup plus que si je vous avais écrit quelques formules de mathématiques. C'est-à-dire on invente un langage qui va permettre de transcrire ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut dire, mais, et à partir de là, on crée des choses. Et c'est pour Antoine, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était quelque chose qui lui parle directement. Enfin, j'imagine qu'il voit les mouvements qu'il y a derrière tout de suite. Moi, je vois les équations et j'ai une vision aussi de ce qu'elle représente. Quoi. Oui, c'est ce que non pas forcément les non-mathématiciens, c'est que quand on voit une équation, on voit du mouvement, des espaces, des objets. Voilà. Alors, où est le micro ? Oui. Là-bas, pardon. Bonsoir. Antoine, personnellement, toi, ta créativité, elle est plutôt nourrie par la contrainte ou la liberté, si on te laissait le choix ? Je pense que l'un est un peu interdépendant de l'autre. Ce qui est drôle, c'est que tous mes spectacles commencent par des improvisations. Donc, on peut dire que c'est des moments de liberté, même si les improvisations, souvent, sont guidées par quelque chose. Des rendez-vous à effectuer ou des tâches ou des contraintes ou des consignes, on peut dire, ou des jeux de qualité ou de choses comme ça. Et puis, souvent, en tout cas dans les spectacles que j'ai pu faire jusque-là, ça se dépose dans l'écriture et ça prend une forme presque finale. Mais dans l'écriture, ce que je disais avec la liberté de la tête et des regards, et ça c'est hyper, hyper central, c'est que dans l'écriture, il y a toujours une part de liberté, et c'est justement ça qui est vraiment assez grisant quand on danse ça, qui est vraiment très compliqué pour la tête. C'est qu'on sait qu'on a des espaces de liberté, et d'ailleurs ça nous arrive de nous planter. Mais en fait, comme le schéma est très clair, on est très libre à l'intérieur. En fait, c'est un petit peu ça. Il y a presque une contrainte acceptée qui va après te libérer sur la suite. Oui, je pense que d'avoir travaillé une écriture très précise et très claire, ça nous enlève en fait de la charge mentale. Ça nous permet de vivre vraiment l'instant avec nos collègues. Et ça arrive que tu lui dises stop tes équations, j'ai envie de faire autre chose. Je sais pas, ouais. Peut-être. Non, mais les équations et les maths, finalement, c'est pareil. Enfin, on peut presque appliquer le discours qui vient d'être tenu. C'est-à-dire qu'on a un langage très contraint, ça c'est clair, très précis. Incroyablement précis, c'est vrai ou c'est faux, il n'y a pas d'intermédiaire, mais il n'empêche que c'est avec ça qu'on crée. C'est pas, on ne répète pas les mêmes phrases mathématiques qui ont déjà été écrites, donc on crée. Au début, bonjour, pardon, bonsoir. Au début, vous nous avez parlé du système masse-ressort, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas comment appeler ça, mais éléments, concepts ou choses mathématiques sur lesquelles vous avez basé une réflexion qui a donné lieu à des résultats, qui n'est pas le système masse-ressort. Si on traîne un peu sur YouTube, on a vite fait idée de trucs genre nombre d'or, suite de Fibonacci ou nombre premier. Est-ce qu'il y a d'autres concepts comme ça qui vous ont aiguillé ou Alors, l'exemple que j'ai donné là, c'était justement parce qu'il peut être relativement parlant avec les ressorts, etc. Donc, on peut imaginer un tout petit peu ce qui se passe. En fait, moi, ce que je regarde vraiment, c'est les équations dérivées partielles qui ne vous parleraient pas énormément des mouvements qui peuvent représenter. Mais il n'empêche que du point de vue des modèles, on retrouve des choses comme ça. Alors après, moi, le nombre d'or ou d'autres... Enfin, le nombre d'or, pour le coup, je crois que la suite de Fibonacci, tu l'as dansé. Donc... C'est un grand mot. Vous avez des gros mots un peu d'espace, de type d'espace dans lequel vous travaillez,
des concepts un peu, voilà, qui puissent aller regarder après sur YouTube s'il y a des vidéos dessus, quoi. Donc déjà les dérivés partiels, ça déjà vous pouvez vous y coller un peu. Oui, ça c'est quand même assez. C'est un bon morceau. Ouais. Oui, 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 on peut y passer du temps. Ouais. Et puis les espaces, il y en a plein. Enfin, les espaces de Hilbert, les espaces de Sobolev, les espaces de Bezov, les espaces, il y en a plein. Est-ce que vous avez encore une question sous le coude ? On peut en prendre une dernière, peut-être, ici. J'ai l'impression que là, dans votre présentation, c'est surtout l'art qui a été inspiré par les mathématiques. Est-ce que, dans l'autre sens, ça marche aussi ? Est-ce que, dans les résolutions des équations, parfois, l'art peut vous donner des idées, des inspirations ? On verra. Non, je c'est pas un but en soi, mais pourquoi pas. On vient de commencer notre collaboration. Hein. C'est que le début. Pas de pression. Pas de pression. Ouais. Une toute dernière, peut-être. Juste ici. Bonsoir. La sensation que j'ai, qui me ressort. Or, de tout ça, c'est que c'est vrai. Et bon, est-ce que l'entreprise de toute cette collaboration, c'est pas de théoriser le beau, finalement ? Ou en tout cas, est-ce que ça ne pourrait pas être un projet de recherche en soi ? Voilà, exactement. Est-ce que les mathématiques ont essayé de faire ça ? Le beau ? Comme sujet mathématique ? Mais c'est vaste question, là. N'importe quel mathématicien, je pense que les mathématiciens font des mathématiques parce qu'ils pensent que c'est très beau. Et peuvent être émus par une démonstration ou par un résultat. Donc je pense que oui, effectivement. Et puis ce côté, justement, une vérité qui ne sera jamais remise en question est quelque chose de beau aussi. C'est-à-dire, ce qui a été écrit un jour restera toujours vrai. Et ça aussi, c'est quand même fabuleux. Après, voilà, les mathématiques se trouvent absolument partout, dans la danse, dans la physique des nuages, donc c'est toujours magnifique à contempler de toute façon, peu importe. Oui, ce qu'on a vu, oui, c'est ça. Donc c'est une représentation que moi, j'aurais pas forcément fait comme ça, mais quand je vois ce qu'a fait Antoine, je me dis finalement, oui, il y a un peu de ce que je fais et c'est très beau. Ouais. Merci beaucoup Benoît Grébert et Antoine Arbeit. On peut les applaudir. Merci. On a hâte de voir le résultat. Et puis de voir toute la suite des projets. Nous, on se donne rendez-vous à 22h et on vous parlera du sexe et du genre à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à les interpeller si vous les croisez, à demander une petite performance dansée, ou en imaginer une. Allez-y.